Bonsoir à tous, donc le deuxième épisode de Rek qui nous parle. Au programme ce soir, et ben, pas beaucoup de changements par rapport à la semaine dernière, donc on va continuer le Maraudeur Elite. Je vais essayer de faire de la 70 plus, ça serait cool. Hop, j'envoie juste la tweet en même temps. Tac, 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 ok. Hop, ok, c'est parti. Du coup, ouais, donc pas beaucoup de changements cette semaine. Par contre, dès la semaine prochaine, normalement, il y aura une dizaine de nouvelles compétences. Donc, je recommencerai une nouvelle série, en fait, tout simplement. On recommencera à level up un nouveau perso. Yop, allez, c'est là, comment ça? On recommencera à level up un nouveau vaisseau, et puis on verra jusqu'où on ira. Donc, normalement, une dizaine de nouvelles compétences. On verra ça. Donc là, objectivement, niveau staff, je suis pas trop mal. Les trucs qu'il faut que je change, c'est mes plates d'armure, j'ai envie de changer. Et casque et CPU, il faut que je trouve des trucs mieux aussi. On va commencer par refaire de la 60 et quelques, histoire de s'en mettre dans le bain. Et puis après, on va y aller. Niveau la crème. Ouais, ça va bien aussi, nickel. Hein. Voilà, donc normalement à partir de la semaine prochaine il y aura de la nouveauté et ça c'est cool. C'est vrai que le build de là c'est un petit moment qu'on est dessus donc je commence à en faire d'avoir un petit peu le tour quand même. Sinon, pour le restant de la semaine, beaucoup de Merveille et Rose en fait. Parce que là en ce moment, il y a la semaine où on gagne plein de points Oméga. En fait, il y a un gros boost de points Oméga. C'est en gros le seul truc qui manque, les points Oméga, pour avoir vraiment un compte à fond. Sachant que j'en ai genre 5300, 5400, je crois. Alors que le maximum c'est 10 000, hein, donc il y a vraiment de la marge. On fera ça cette semaine. Cette semaine, donc, je streamais mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, je suis pas là. Samedi, je streamerai peut-être, mais si c'est le cas, de toute façon, je streamerai pas longtemps, quoi qu'il arrive. Et après, il y a peut-être dimanche soir, je streamerai. Si Game of Thrones, normalement, ils doivent ouvrir une nouvelle session de test. Donc, si c'est le cas, bah, je jouerai. Et puis, sinon, bah, je pense qu'il n'y aura pas le stream dimanche soir. J'ai mon stage d'arts martiaux dimanche, je pense que je serai un peu éclaté dimanche soir. La semaine prochaine, bah, pas beaucoup de changements par rapport à cette semaine. En gros, il y a encore semaine Omega la semaine prochaine, donc je crois encore de Marvel Heroes. Lente de Drift Lente. Normalement, le mardi, il y aura la mise à jour de Full Mojo Rampage. Alors, si c'est le cas, j'y jouerai, évidemment. Et sinon, normalement, aussi, fin du mois, il doit y avoir la mise à jour de Street 5. Attends, j'ai jamais vu cette. Ça me dit rien de tout, ces vagues-là avec les ennemis qui. Bizarre, j'ai l'impression que je n'ai jamais vu cette vague. Non, il y aura la mise à jour de Street fin du mois. Avec le mode histoire et tout. Donc ça, quand il sera dispo, je le streamerai, parce que j'ai toujours envie de tester. Puis vu que c'est du solo, bah, là, je pourrais streamer du street, mais le problème c'est que bah, j'ai pas la connexion pour. Et ce soir, je pense que je stream une petite heure Drifting Lands. Et après, on va à 23h, il y a une grosse mise à jour de Rocket League. Donc quand elle sera dispo, je pense que je passerai sur Rocket League. Je couperai le stream et j'irai tester ça parce que j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Pourquoi je l'ai gardé celui-là, le Truster, non?
Ah, mais je perdais 19 points de navigation, je crois, et du coup, ouais, du coup, je pouvais pas utiliser mon arme. T'as combien à 62? Encore 2 points, ça sera bon. Ah, ta box, elle est morte, ah, merde. T'as rien comme ça. Mais ça te fait longtemps effectivement. Là. Et si il reste. On pourrait bien un ballon rond. Bravo pour cocher de littéraux. Ouais, ce qu'il y a, c'est que le foot, j'aime pas en fait. Et les jeux de voiture, mis à part les jeux de rallye, j'aime pas. Mais vraiment, c'est. Enfin, mis à part les jeux de rallye et puis les jeux vraiment purement arcade et Trackmania quoi. En gros, jamais tu me feras jouer un Forza ou un truc comme ça, quoi. Et le foot, vraiment, c'est pas un sport qui m'intéresse. Et pourtant, Rocket League est vraiment excellent. Oh là 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 là. Oh, j'ai fait mal. Oh, ça sent complètement la mort, ça. Le Rocket League, il est vraiment génial. Honnêtement, c'est. C'est vraiment un très très bon jeu. Tu vois, ça fait partie des jeux où plus vous jouez, bah, plus vous progressez et plus ça devient intéressant. À nouvelle idée, mes parents sont contents et je suis hypé par l'école 42. C'est quoi l'école 42? Peut-être y avoir un deuxième boss, non? Ah non. Ouais, une plaque d'armure, mais ouais, fait chier. J'ai pas trop de trucs. Gatling, il est pas terrible. Le canon, pas terrible non plus. En tout cas, ouais, c'est cool pour ton ami, ça. Bim! Bah voilà, nickel. Du coup, j'ai un nouveau thruster, un thruster 63. C'était quoi? C'était en 60 avant. Je vais le garder quand même au cas où, on va voir. C'est une école de programmation fondée par Xavier Niel, Monsieur Free, il a tout compris. D'accord. Cool, tu apprends le sens de la vie et de l'univers, je pense. Pour le 42. Ça paraissait évident. Yo, Brosef, comment ça? Donc voilà, donc je pense cette semaine, hein, je ferai beaucoup de Marvel Heroes. Hein. Sachant qu'à chaque fois, je pense que je ferai du Marvel Heroes jusqu'à 23h, 23h30. Et après, je passerai sur Rocket League, vu qu'il y a une nouvelle saison qui commence. Hein. J'ai vraiment pas envie de la farmer, celle-là. Donc. D'ailleurs, Marvel Heroes, j'ai testé et complètement. Enfin, c'est testé, approuvé, Electra. Elle est monstrueuse. Donc là, en ce moment, je joue plus qu'Electra, c'est vraiment trop cool. Elle est super plaisante à jouer. Elle a un TP gratos, enfin, bref, c'est trop bien. Quoi. Et puis, elle fait des dégâts complètement pétés. J'ai passé le trial cosmique avec un seul artefact, enfin, n'importe quoi. Bah écoute, moi ça va bien, bref, fait nickel.
Donc comme je disais, donc ce soir, pas de nouveautés encore sur Drifting Land. Par contre, la semaine prochaine, si tout se passe bien, il y aura une dizaine de nouvelles compétences à tester. Donc ça devrait être bien cool. J'ai bien hâte de tester toutes les nouvelles compétences la semaine prochaine. Ça devrait être bien intéressant. Et donc ouais, pour fêter ça, j'en commencerai un nouveau cycle, je pense, la semaine prochaine avec un nouveau vaisseau, justement pour voir un peu les nouvelles compétences. Bah non. Ah, j'ai pas d'énergie. Oh là. Je sais pas ce que ça va être comme boss. Oula, oh. Merde. Ah mais encore un boss. Putain, quoi, tu en as plus, en a encore quoi. Je vais rentrer en septembre à Cannes pour un master en management de projet innovant en jeux vidéo, ça c'est stylé. Ok, bon bah nickel. Ok, bonne nouvelle alors pour toi, t'as rien, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Un Pulse 933 en armor, wow. Le problème, c'est qu'il me faut 117 en structure. Plate 24 21 power. Je gagnerai du shield, je gagnerai énormément en armor. Je peux en faire des points de vie, mais bon, on s'en fout un peu, hein, à la limite. En tout cas, c'est bien si je peux commencer à changer un peu mes plaques d'armure, là, ce sera pas mal ça. La plaque là me fait perdre 17 en power. Elle fait aussi de l'armor à non plus finir en plus, quoi. Mais bon, perdre 17 en power, c'est moche quand même, quoi. Ouais, quoi, quand même, 17 en power, je suis. Je peux encore tout équiper. Bon bah là on a gagné beaucoup beaucoup d'armure sur cette phase, c'est cool ça. Aura résiste en plus. Shield tatata 315, 7% de shield en plus. J'ai presque envie de mettre celui-là, le shield. 315 life, en gros je perds juste du power. Je perds du power, ouais non, je sais, je perds quand même du shield en fait.
Enfin, je dois en gagner avec les plus 7%, mais bah, attends, c'est pas dur, il suffit d'équiper l'autre. Ouais, là, je peux l'équiper. Ouais, non. Laissons tomber. Donc, on a dit hein, les trucs qu'il faut que je change. Bah, les plaques d'armure, mais c'est bon, elles sont changées. Ouais, donc il y a surtout casque et CPU. Bon, sachant qu'ils sont pas non plus pourris ceux que j'ai, quoi, mais. Ouais, moins d'avoir mieux quoi. J'ai fait quoi? 64, 65 je crois là. Non, j'ai dû faire 64 parce que j'étais pas dans le paysage de nuit donc. Ouais, du coup, vraiment, j'ai bien hâte de voir les nouvelles skins pour Drifting Lands, quoi. Sachant qu'il y a Alain qui l'a mis un petit peu sur Twitter, enfin, il en a mis une ou deux sur Twitter pour commencer à parler un peu de ce qui va arriver. Sérieusement? Et du coup, elle va peut-être Geekspace hein, dimanche prochain hein, si. Normalement, a priori, ils ont prévu justement de faire une session test dimanche prochain. Donc, bah, si c'est le cas, j'en streamerai évidemment. Faut que je leur demande à gros si c'est toujours bon ou pas. Merde, toi j'ai raté du loot. Mais c'est cool, c'est super longtemps que je peux jouer à Kings of Space, donc ça c'est bien quoi. Ouais, les musiques elles sont excellentes. Bon après voilà, je suis pas objectif, je suis amoureux du jeu, mais. Bon après je suis amoureux du jeu parce que je le trouve excellent quoi, c'est pas juste parce que je me suis dit tiens je vais être amoureux du jeu quoi. Donc forcément si je le trouve excellent c'est qu'il y a des raisons. Ah non, pas eux, putain. Oh bah, ok. Ah, j'ai des dégâts monstrueux, quoi. Bah, Flameblade, elle fait juste beaucoup trop mal, quoi. Le 23, c'est ça, ouais, c'est ce qu'il avait liqué, ouais, effectivement. D'ailleurs, le 23, c'est quoi? Ouais, c'est en pas longtemps, le hein, 23. Ouais. Ouais, début de salle, bon, on verra ce qu'il y a quoi. Mais bien souvent, bah, ce qui se passe bien souvent, c'est que j'ai déjà tous les jeux dont j'ai envie en fait. Donc finalement, les salles me servent pas à grand chose quoi. Ouais, je mettrais bien ça à la place, je perds un tout petit peu en armor. Mais je gagne un point en power et je gagne 17% de vie. Ce qui est pas négligeable, hein, je pense. Ok, papa. Mais du coup, ouais, les trucs que j'attends, bah, c'est donc dimanche, là, le dimanche Kings of Space, la petite session de test, hein, normalement. Il y a le bah, mardi prochain, donc le 28, normalement, il y aura la mise à jour de Full Mojo Rampage avec le nouveau mode. Les soldes de 23, voilà, on sait jamais, des fois que j'ai des jeux qui m'intéressent, qui soient soldés. Mais bon, vraiment, bien souvent, les jeux qui m'intéressent, je les ai déjà pris. Hein, donc, il y a quand même vraiment peu de chance que. Il y a en peu de chance qu'il y ait un jeu où je me dis, ah oh ouais, trop cool, là, je l'attendais, quoi. Putain, c'est nul, ça. Ouais.
Ouais, le problème c'est que voilà, tous les trucs là en fait, ils ont tous des. Ils ont tous des bonus de blade skill en fait, c'est pour ça que je fais autant de dégâts avec cette compétence. Ouais, des soldes sur les DLC de Witcher 3, et j'ai aucun jeu qui m'attire, donc bon, je ferai pas beaucoup des soldes. Bah, moi j'en sais rien quoi, comme d'hab, il y aura sûrement un truc où je me dirais, ah ouais, tiens, ça peut être cool ça. Bah bon. Il y a Taz qui m'envoie un truc, faut que je vais aller voir. En fait, il y a Taz qui a trouvé un débile sur, sur Twitter. Et a priori, il lui a répondu. Mais alors, par contre, comment je peux voir Ah bien, j'ai pas pouvoir. Comment je pourrais voir ce qu'il lui a répondu? Ben voilà. Du coup, il a répondu quoi alors? Parce qu'en fait, je sais pas, j'arrive pas à. Je peux pas voir en fait ce qu'il te répond. Attends, peut-être que si tu mets le link direct. Merde. Ouais, mais on voit pas là ton. Ah non, merde. Sauf qu'on a un fancy car officiel, je te pose pas la question. Qu'il est con. Regarde cette tweet, il y a 3h et 2h. Là, faut les... En fait, en gros, pour vous expliquer le truc, c'est qu'il y a un moment, il y a Xerf qui a streamé pour POEFR. Enfin, pas vraiment pour POEFR, en gros, il y avait une Web TV et il avait une Web TV juste à lui, quoi. Et il y a un mec qui a réussi à retrouver. Et du coup, un mec qui a retrouvé la page où il y avait la présentation d'Exerve, et le gars il est tout content, il est tout fou en disant: Ah, regardez ce que j'ai trouvé, Exerve en fait, il est vendu, c'est pour ça qu'il parlait de PoE sur qu'il parlait de PoE sur Gamekult parce qu'il est fan du jeu, machin, enfin, un vrai débile quoi. Ouais, j'essaie de l'entendre en officiel, t'as vu. Entendre copinage, promotion exagérée. Oh la vache quoi. Il est bon, il est bon. Mais je te dis, hein, le mec là, c'était même pas la peine de lui répondre. Hein. Ça pouvait finir que comme ça, de toute façon. Hein. C'est quoi d'autres perles que vous adorez jouer mais que peu aiment bien? Tu parles de quoi là? Tu parles de quoi? Y'a rien là, une perle qu'on aime bien jouer mais que peu aime bien? Ah non, à moins que ce soit PE, non, je sais pas, je sais pas de quoi tu parles. Après PE, il y a beaucoup de gens qui aiment bien quoi. Mais dans la réponse, c'est oh, pas ailleurs qu'on aime en jeu. Non mais le pire c'est qu'en plus, Exerve, il a juste fait relayer les news sur PE sur GameCube quoi. Puis bon après, je pense qu'objectivement on peut dire que. En termes de hack and slash, PoE c'est vraiment le mieux quand. Il y en a d'autres que j'aime bien, hein, c'est pas le problème, mais. En gros, pour vraiment pour un fan de hack and slash, PoE est largement au-dessus de tout le reste. Hein. Bon, il a évidemment ses défauts, hein, mais. En termes de contenu, de possibilités, de gameplay, un peu tout en fait, quoi. Mais attends, peut-être il va te filer le lien. Hein. De jeux pas très populaires que vous adorez.
Moi j'étais tombé vraiment fan de. J'aime beaucoup Full Mojo Rampage. Qui est un jeu, je pense, il a pas trop bien marché, mais je suis vraiment fan de Full Mojo Rampage, j'adore ce jeu. Bon, après, je suis amoureux de Drifting Lands, hein, mais. J'espère qu'il sera connu, qu'il fera des ventes, quoi, mais. Bon, en termes de hack and slash pur, honnêtement, ouais, je le pense sincèrement. Hein. En termes de contenu, de possibilités, de beaucoup de choses. Hein. Après, il a évidemment ses défauts, hein, mais je pense sincèrement que pour les fans de hack and slash, qui pleurent Diablo 2 depuis 20 ans. Après, voilà, hein, c'est pas pour autant que je vais beaucoup y jouer. Hein. Là, vous voyez, j'ai fait la nouvelle saison, je suis level 84-85, et je pense que je vais m'arrêter là, quoi. Parce que j'aime pas trop farm des maps, parce que justement, la façon dont récupère les maps, je suis pas fan, quoi. Parce que c'est beaucoup trop chiant à avoir, et voilà, ça demande un investissement énorme, et du coup, ça me gonfle de devoir pinailler pour réussir à faire le niveau que tu veux, en fait. Perso, mon jeu du cœur que peu aime, c'est Mountain Blade. Ah, j'en connais pas mal de gens qui aiment bien Mountain Blade, quoi. Bon, après, en même temps, en hack and slash, il n'y en a pas non plus 50 000. Hein. En hack and slash pur, on va dire qu'il y a PoE, Diablo 3, Grim Dawn. Hein. Après, il y a. Après MMO Hack and Slash, il y a Marvel Heroes. Et honnêtement, sorti les 4 là, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Enfin, qui tient la route, hein, je veux dire. Après il y a d'autres trucs, quoi. Mais je pense, sorti les 4 là, il n'y a vraiment rien qui tient la route, quoi. Non, mais faut arrêter de me filer les objets de la nave, ça sert à rien pour moi. Je ne veux pas de votre navigation, reprenez-la. Celle-là. Putain, encore la nave. En tout cas, c'est cool, hein. Là déjà on a changé plein de trucs, hein. Quand même. Depuis que j'ai pris le live, j'ai changé deux plaques d'armure. J'ai changé le thruster, hein. J'ai changé l'énergie shield, je crois. Non, t'es pas sûr ça. Et du coup, il me reste que ça, mais en même temps, ça me file tellement de gros bonus en Bladeskill que. Mais je l'ai dit, Grim Dawn. Hein. J'ai dit Diablo 3, PoE Grim Dawn en traditionnel. Et puis Marvel Heroes en MMO Hack and Slash. Non, Torchlight, c'est de la merde, on n'en parle pas. De random.org, ah, c'est ça, c'est le duo. C'est exactement ça. Prions le duo RNG. Rambo The Video Games, j'avais offert à Skywillis. Moi j'aime bien W3 Vanilla, une vraie petite perle, exactement. Ouais, il était décent, mais. Bah en fait, il était décent. Enfin, moi je l'ai bien aimé parce que. Puis je m'y attendais pas en fait, tout simplement. Mais. Après, le problème du premier Torchlight, c'est que. Tous les persos étaient un peu similaires et voilà. Et le 2, j'ai un peu aimé, quoi. Le premier, j'ai pas mal joué comme cela. Bah du coup, les 66 ça passe, on tente une 67 avec un vrai boss, on verra. D'ailleurs, je suis pas retourné voir où il en est leur jeu là, Runic Game là, je sais plus comment il s'appelle, Rob ou Orb ou je sais plus là. Un truc où pour l'instant on a juste vu un robot avec des herbes qui bougent. Oh d'ailleurs, en parlant de robot, il y a la suite de. Merde. Il y a la suite de Grow Home qui est annoncée, Grow Up qui s'appelle. Et ça, je suis super content parce que j'avais adoré Grow Home. J'ai trouvé super plaisant à jouer. J'ai joué vraiment tard hein, par rapport à la sortie. Hein. Je pensais qu'il me plairait pas. J'ai fini par le prendre un jour en solde un peu au pif. Hein.
Et vraiment, je suis pas déçu parce que j'ai beaucoup aimé quoi. Donc autant le premier, je l'ai pris au pif en salle, autant le deuxième, c'est. Hein, quoi? Pourquoi je me suis fait kiffer là? Autant le deuxième, je l'achèterai pour la sortie. Ah mais arrêtez! Mais vous faites super mal, vous êtes... Faites pas ça. Sérieusement, j'ai pris tous les tirs de la terre, quoi. Non mais toi tu meurs. Voilà, merci. Oh. Wow. Ah mais c'est un nouveau lui! J'ai jamais vu lui! D'accord, j'ai jamais vu en fait ce boss. C'est un bouton que j'ai pas testé les boss et du coup c'est un nouveau, lui balance des boulettes vertes là, les nouvelles qui se divisent. D'accord, j'étais pas prêt en fait. Papa, après Torchlight, mon terme d'emploi de jeu de ce ça c'est vraiment la même chose que Torchlight, premier du nom, ouais. Bah après, le premier Torchlight, tu dis, j'avais bien aimé, quoi. Tu penses pour la com, ce que dit Fibrotic est correct, ou il a vu sur quoi tu mises pour faire parler du jeu, pas sourd. Ouais, mais Titan Quest, non, moi j'aime pas. Enfin, en fait, j'aime pas Titan Quest, j'aime pas l'univers mythologique, et du coup, j'ai jamais accroché au jeu, quoi. Le jeu est bon, hein, Titan Quest, hein, mais. Mais bon après voilà c'est un vieux jeu, hein. C'est vrai si on commence à reparler à un vieux jeu, j'ai cité Diablo 2 ou autre, donc bon c'est pas... J'entends parler, mais c'est quoi comme jeu? Peut-être c'est le genre d'expérience que je pourrais aimer. Alors Grow Home c'est un... Tu joues un robot qui grimpe une plante en fait. T'es une plante grimpante et le but c'est d'atteindre... C'est de monter en fait. Mais ouais, non, mais de toute façon, pour le jeu, oui, il faut la moule, quoi. Il faut la moule, le bouche-oreille, mais bon, le bouche-oreille, c'est beaucoup la moule quand même, quoi. C'est que tu sais pas trop pourquoi, dans le jeu, en un coup, tout le monde en parle de ton jeu. À jeu égal, des fois, t'as de la moule et ça se passe bien, quoi. Alors après, des fois, tu peux avoir des choix ou des opportunités marketing, on va dire, qui font que, quoi. Bah, par exemple, Rocket League, Rocket League il est sorti quasiment le même jeu mais avec un nom à la con quelques années plus tôt, ça n'avait pas du tout marché. Et là pour Rocket League en fait ils ont eu le partenariat avec Sony pour que le jeu soit gratos pour le PS Plus en fait, le mois de la sortie. Et en fait du coup c'est une excellente idée parce que vu que le jeu est cross-platform, bah, ça a permis que les joueurs PC aient toujours des gens avec qui jouer et puis voilà ça fait boule de neige. Et je pense sincèrement que sans... S'il n'avait pas été gratuit sur le PS Plus le mois de la sortie, il aurait pas marché quoi. Enfin, il aurait été comme le premier, personne n'aurait entendu parler, enfin, juste quelques personnes n'auraient entendu parler, et puis c'est tout quoi. C'est bon, même s'il est plus polish que l'autre qui est sorti avant, objectivement, c'est vraiment le même type de jeu donc. Ouais, Drifting Land, ouais, c'est avec leur argent. Tu l'enculé cette phase. Il est tellement en forêt. Aïe! Ouais, mais sérieusement. Et du coup, là, je vais tout cramer, le boss va arriver et je vais me faire démonter.
Enfin, quoi que non, j'ai récupéré peut-être mes. Ah, mais c'est pas le même boss en fait que je vais avoir là. Ah, bah si. Mais non, mais non, mais j'ai lancé le soin! Tarum, le chaudron magique, quoi. Non, poisson qui passe dans le ruisseau et que t'es un ours qui essaie d'en choper le plus. Ouais, Star du Valais, c'est Jigglefish. Hein. Donc déjà de base, ils ont quand même ils ont un nom quand même sympa, quoi. En gros, Jigglefish, c'est quand même un leader qui est bien installé. Et du coup, eux, ils ont de la visibilité, quoi. C'est notamment eux qui ont publié Risk of Rain, qui ont publié sur l'attaque un pas de jeu. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, et puis sinon après Stardew Valley, je pense que c'est un jeu que les gens auquel les gens voulaient jouer, quoi. Je pense que t'as pas mal de gens quand même qui aiment bien. T'as pas mal de gens qui aiment bien Harvest Moon, ce genre de trucs, et du coup il n'y avait pas vraiment sur PC en fait, quoi. Finalement, enfin, voilà, c'était. Je pense qu'il y avait un créneau à prendre, quoi. Après, il fallait encore faire un bon jeu, même si en plus le jeu il est vraiment bon. Je me suis bien amusé à y jouer. Hein. Oh non! Ah, j'ai pas passé là, si ça, ça passe. Après, c'est un jeu qui a bien marché en stream également, donc t'as eu des gros streamers qui ont joué, donc. C'est que ça fait le taf aussi, hein, clairement. Quand t'as des gros joueurs qui, des gros streamers qui y jouent, là, voilà, t'as plein de gens qui y jouent ici, quoi. Ouais, par exemple, il y a un jeu auquel j'avais jamais entendu parler, et a priori ça fait relativement le buzz en ce moment, il y a pas mal de gros streamers qui y jouent, c'est Dying by Deadlight, un truc dans le genre là. Mais c'est là où tu vois la puissance finalement du stream, parce que le jeu j'en ai jamais entendu parler, ça m'intéresse pas. Mais maintenant je connais son existence, quoi. Alors qu'en vrai il n'y aurait aucune raison que je le connaisse, quoi. Oui, le terrain et le chaudron magique, c'est un, oui, c'est un classique. Je suis pas forcément super fier, mais. Oh là là là. Pouah, 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 pouah. Mais putain, mais. Wow. Ah oui, mais en fait je suis bête, je me disais tiens, je prends quand même super cher, mais ouais, mais je suis en 71 en fait, c'est ça. Hein. Ah donc c'est officiel, je peux faire de la 70, c'est cool. Hein. Film clé un youtubeur, c'est un site pas plus en parler que c'est un studio encore inconnu. Bah le truc c'est que Devolver, voilà, ils ont tellement de, enfin ils ont tellement de bons jeux entre guillemets que maintenant voilà les gens quand t'entends édité par Devolver, les gens ils disent ah bah tiens j'ai regardé, ça peut peut-être me plaire, quoi. Bon après ils publient aussi de la merde, hein. Par exemple le truc le bus le machin là, jamais j'y jouerai, hein. Enfin c'est peut-être bien, j'en sais rien, mais j'ai pas du tout envie d'y jouer, quoi. Mais le simple fait de te dire c'est Devolver, tu te dis ah bah tiens il y a une petite présélection avant, peut-être que le jeu il va me plaire, quoi. Attends, il fait quoi celui-là? Ouais, il fait quasiment rien, plus 3% c'est risible. Ouais, non, j'ai pas du ski du shield, donc non. Oh, plus 137% en blade skill. Ah non, il y a 12% de chance qu'il explose en autorité, c'est dommage.
Oh, il était tellement violent celui-là. T'as 137% en blitzkill quoi, j'aurais one shot la terre entière. Tant pis. Oh, un minigun qui fait plus de dégâts. 22 nav, une des dégâts physiques, des crédits cola, crédit chance, du plasma, c'est pas mal ça. Scavenger. Ah, il est très très bien celui-là. Il est très très bien. Je perdrai 19 en power. Par contre, je gagne la mort d'armure. Du shield aussi. Ah, mais non, mais il y a des chances de péter en autorité. Ouais, non, c'est chiant. Nav, nav, non. Navigation, ouais, toujours pas. Aspire skill, ouais. Je vais te faire une délire revolver. S'il y a un partout en rond, il sort aussi pas mal de trucs bof maintenant. Bah ouais, clairement. Enfin, là, ces derniers temps, honnêtement, les différentes alliances, elles m'ont pas hypé quand. J'ai la télé qui est encore allumée, je vais l'éteindre en fait. Bon, après, il y a des jeux qui vont sortir et qu'ils éditent que j'attends, genre Ether hein, par exemple. Hein, qui est, bah, Ether, c'est vraiment le jeu que j'attends le plus hein, actuellement, je pense. Mais ouais, du coup, ça. Non, notre héros il était cool. Omnibus, lui, ça a pas l'air vraiment génial. Après, faut que je vois les autres sorties, mais je crois qu'il y a des trucs que j'ai vu édités par Devolver qui me. Après, c'est peut-être des bons jeux, hein, mais de base, ils avaient pas l'air de m'intéresser, quoi. Oh non! Oh putain, oh je suis pas bien. Mais pas si mal. Non, 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 mais pas! Quel con, j'ai fait n'importe quoi. C'est parti. Il est fait avec Game Maker, Ether? Ouais, voilà. Après, Oli, c'est du hack and slash, mais enfin, ouais. Enfin, c'est pas ce que moi j'appelle du hack and slash. Quand, quel blaireau. Le truc qui m'a le plus cette année, c'est Stardew Valley, Enter the Gungeon, and Overwatch. Ouais, bah, pas moi. déjà, il y aura forcément. Ça, pour ma part, hein, les jeux que j'ai le plus aimé cette année, il y aura forcément. Merde, comment il s'appelle le jeu sur l'île. Le jeu de Jonathan Blow. Merde, ça s'appelle comment? J'ai bouffé le nom, quoi. Craquage. Et je suis endormi en fait là. Mais aidez-moi s'il vous plaît. The Witness, merci le crime. T'es un vrai copain. Ah, je suis pas bien, je suis pas bien. Non, The Witness, j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé Firewatch aussi. Firewatch, je pense que je pourrais le mettre dans les jeux que j'ai préférés cette année, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, qu'est-ce qu'il y avait comme autre truc? Ouais, Diablo. Dark Souls 3, c'est cool, mais. Ouais, c'est. J'aime bien, mais sans plus, c'est Dark Souls, quoi. Bah, la preuve, j'ai toujours pas terminé finalement. Je suis au catacombe, j'ai pas rejoué depuis la dernière fois. Oh, mais non, mais là, je fais exprès, c'est pas possible.
Mais merde! Oh, pour il est pas mort lui! Oh non! Oh la vache, je l'ai pas eu! Ah, je vais mourir. Ah bah là, non mais là non encore. Pas mettre YouTube, ouais, non mais clairement, ouais. C'est dommage, hein. Mais ouais, non, Dark Souls 3, ouais, mais c'est que j'ai. Ouais, Dark Souls 3, j'aime bien, je l'ai fait, c'est pas. C'est que c'est bon, pas une licence. Enfin, c'est une licence que j'aime bien, mais c'est pas une licence où je suis amoureux, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut que je le termine quand même. Alors attends, qu'est-ce que j'ai mis moi? Non, donc Witness Firewatch, hein, clairement. Bah du coup, oui, si je devais en donner en troisième, je penserais Dark Souls 3 quand je suis en train de regarder ma liste. Après, il y a d'autres jeux que j'ai bien aimé, hein, mais ouais, du coup. Bah du coup je pense que je dirais Witness, Firewatch et Dark Souls 3 quoi. Dans l'ordre là en fait. Hein. Après les autres trucs c'est sympa mais pas autant quoi. Firewatch tu vois pas du tout à quoi ça ressemble. Bah j'avais streamé, je l'ai fait en une fois en fait. À la base je devais faire que le début puis finalement je me suis tellement fait happer par l'histoire que bah, je l'ai fait jusqu'au bout. Dans le jeu, c'est plus une expérience bien qu'il vaut se prendre de cacahuètes. Ouais, oui. Bon, en fait, le truc, c'est Firewatch, tu joues un garde forestier, on va dire. Et tu communiques juste avec ta supérieure par talkie-walkie, quoi. Et en fait, tout le jeu est basé sur la relation que tu as avec elle, avec les phrases que tu as décidé de dire ou non, si tu vas lui répondre, ce que tu vas lui dire, etc. Et après, il se passe des trucs, donc tu as des gamins qui vont déclencher un incendie de forêt sans faire exprès, etc. Enfin, tu as plein d'enchaînements d'événements comme ça qui se produisent. Donc c'est quasiment du walking game dans le sens où t'as pas tant de choses que ça à faire, t'as pas besoin de faire des sauts, de courir, de, enfin, tu peux pas vraiment perdre quoi. Mais c'est tout basé sur vraiment sur l'ambiance et surtout sur le jeu d'acteur, les dialogues en fait qui sont super bien écrits quoi. Et le jeu rien que pour ça il est vraiment génial parce que, enfin moi personnellement j'étais vraiment pris dans le jeu, enfin j'étais vraiment pris dans l'histoire quoi. Ce que j'avais dit, c'est que en fait, je lui répondais, mais je réfléchissais avant de répondre, quoi. Je réfléchissais vraiment à qu'est-ce que j'ai envie de lui répondre, est-ce que j'ai envie de lui parler de ça ou pas. En fait, les deux personnages, ils se connaissent pas, quoi. Et ils ont chacun un passé voilà, différent, et des fois, elle te pose des questions sur ta vie, et tu peux ou pas lui mentir, parce que finalement, elle peut pas savoir, donc tu peux très bien lui mentir, lui donner d'autres raisons pour lesquelles t'es là, etc. Non, c'est super intéressant, et puis c'est super bien joué, vraiment. C'est ça le gros point fort, en fait, quoi. C'est que c'est super bien joué. Bien joué et bien écrit, ce qui est quand même relais, qui en... Enfin, c'est pas relativement rare, c'est super rare dans les jeux vidéo, quoi. Le genre de jeu que t'adores, bah attends, en let's play, y a aucun intérêt. Enfin, honnêtement, en let's play, je vois même pas l'intérêt, quoi. Dire, au contraire, le jeu, là, il te laisse le choix de. Oh la vache. Dire, merde! En let's play, tu perds justement tout l'intérêt du jeu, quoi. Parce qu'en let's play, bah t'as justement pas toute cette partie où tu peux répondre ce que tu veux, tu peux partager ce que tu veux, tu peux l'incarner comme tu veux, ton personnage, quoi. Je veux dire, en let's play, il n'y a vraiment aucun intérêt à regarder Firewatch, quoi. Bah moi, je m'en souvenais plus trop, Elysium, mais j'ai regardé. Peut-être je fais toujours la liste sur le stream. Hein. Quand il y a un jeu que j'aime bien, bien souvent, j'essaye de le. Je sais. Mais l'histoire, elle est pas intéressante, hein. Vraiment, l'intérêt, c'est les dialogues.
C'est pas l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même, elle est bateau, elle est ce que tu veux, quoi. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la relation entre les deux personnages, quoi. Parce que l'histoire, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu réponds différemment, il va se passer les mêmes choses globalement, quoi. Donc vraiment le seul intérêt c'est justement le fait que c'est bien écrit et que t'as l'impression que tout est logique et qu'elle te répond et qu'elle répond vraiment à ce que tu dis et voilà. Mais bon l'histoire elle est pas folle hein. Mais honnêtement, ouais, je trouve que ouais, le matin aller dans Let's Play, c'est vraiment gâcher le jeu, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec cette réflexion d'Alain, hein. Je pense que c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment la même chose, quoi. Enfin, encore une fois, vraiment, tout l'intérêt du jeu, c'est vraiment la relation entre les deux personnages. Et à partir du moment où t'as pas la main sur la relation entre les persos. Je vois même pas l'intérêt d'y jouer, quoi. Parce que moi, c'est vraiment ça qui m'a bluffé, en fait. C'est le fait que, comme je le dis, j'étais vraiment pris dans l'histoire, quoi. Mais merde. Ah, je veux pas trop en dire pour si jamais vous voulez le faire un jour, et voilà. Mais il y a un moment, en fait, j'ai répondu. Enfin, ça, à la limite, ça m'a surpris, quoi. En fait, j'en étais arrivé au point où je réfléchissais avant de répondre ce que je, enfin, pour ce que je veux lui dire ou pas, etc. Enfin, c'était vraiment une des premières fois, enfin, en tout cas, ça m'était pas arrivé depuis super longtemps, de pas être happé par un jeu, enfin, d'être happé par un jeu comme ça, quoi. Oh, le bot Mr. Bean, dis donc. Ah ouais, mais celui-là, ça faisait longtemps, effectivement, ouais. Et d'ailleurs, c'est toujours les mêmes textes du bot, quoi. C'est assez fou, quoi. De base, le perso, il est pas ce que je veux, on t'impose son passé, donc bon, ça m'a plus, je préfère rester spectateur, mais je suis assez exigeant pour jouer un personnage en vendant une histoire, il faut que je puisse jouer. Bah là, ça reste libre quand même, hein. T'as juste son passé, après tu l'incarnes comme tu veux. En gros, toi, tu connais juste la raison de pourquoi il se retrouve à prendre ce job d'été, et après, tu fais bien ce que tu veux, quoi. Tu peux très bien mentir à la grand-mère, c'est lui dire que t'es là pour totalement d'autres raisons ou du coup au contraire là t'es vachement là, t'es laissé libre en fait. Un minigun qui fait plus de dégâts encore, quoi. Mais en tout cas, ouais, non, vraiment, si vous aimez les histoires, enfin voilà. Non, c'est vraiment un très bon choix. Firewatch, j'ai vraiment adoré, moi, personnellement. Après, on accroche ou on accroche pas, hein. C'est pas non plus sûr qu'on va accrocher, mais en tout cas, c'est très très bien écrit et très très bien joué, quoi. Ça c'est pas mal, je perdrai un peu en skill power, mais je gagne 22 en power, je gagne 348 là et de l'attaque speed. Je perds de la couleur de Raduc et du bouclier, ouais, je sais pas. Il y a quand même un peu comme. Attends. C'est marrant que des joueurs réagissent comme font certains qui seraient quand même comme fans du RPG parce qu'il y a guère plus RPG en jeu micro qu'un. Bah, c'est en fait, moi j'ai déjà dit, de toute façon, moi les RPG sur jeu vidéo, en jeu vidéo, j'ai toujours du mal parce que t'es toujours bloqué en fait.
Après, c'est aussi parce que j'adore le jeu de rôle papier, quoi. Mais je sais que les jeux de rôle sur ordi, ça m'a toujours gonflé, parce que tu peux vraiment pas faire ce que tu veux, quoi. Et là, par contre, faire un truc comme ça, effectivement, ça me correspond mieux, parce que finalement, t'as un background, voilà, t'as un perso qui tient la route, et après, tu fais un peu ce que tu veux, quoi. Encore une fois, hein, par contre, je vous le dis, hein, c'est vraiment très guidé, hein, dans le sens où voilà, les bases de l'histoire est là, il se passera ça quoi qu'il arrive. La seule interaction que vous pourrez faire, c'est au niveau des dialogues, en fait. Le fait de répondre ou pas à la gonzesse quand elle vous appelle, le fait de dire tel ou tel truc, de partager tel ou tel truc de votre passé, etc., quoi. Les dialogues faits par quelqu'un d'autre pour genre. Oh là là, je serais asexué qui aime Gabriel la poids. Non mais c'est franchement en let's play je vois. Enfin, c'est pas. Après je dis ça, je l'ai streamé, hein, mais Mais bon. Bon après quand je l'ai streamé, je pensais pas me faire autant happer par le jeu, cela dit. Oh! Oh, oh. Ah non, un 5 de skill fail, merde. Ah c'est con, il faisait plus 139% en blade skill, quoi. Ça aurait été un carnage total, quoi. Dommage. Ah bah après, en même temps, oui. En même temps, je veux dire, les jeux ils vont être soldés, tant pis pour les joueurs qui tout tant pis pour les éditeurs qui. Enfin, les développeurs qui soldent leurs jeux. Hein. Après, j'ai vu qu'il y a Mister Helmut qui a dit qu'il ferait pas de solde avant un bon moment aussi, donc ça c'est cool. Hein. D'ailleurs, enfin, j'ai rejoué à l'occasion à Neurovider pour voir un peu les mises à jour qu'il y a eu là. C'est un bout de temps que j'ai pas joué. Oh non! J'ai pris la mine pleine plate. J'ai tenté quoi? 73, c'est ça, non? Ouais. J'y rejoue encore un petit peu, puis après je pense que j'irai voir si la match de Rocket League est sortie. Et le jeu il veut absolument me filer ce pattern-là, quoi. Aïe. Non! Hop, petit pas, petit pas. Oh non! Un nouveau message aussi, moi, stop pirate plutôt mon jeu plutôt que l'acheter sur G2A. Ouais, non, ça c'est pas mal. Je pense que c'est mieux en fait. Vrai que ça fait moins de mal de pirater un jeu que l'acheter sur G2A, quoi. G2A ou Instant Gaming ou. Oh non. Ah d'ailleurs, il y a Her Story qui était sorti l'année dernière, qui était vraiment génial aussi. Et du coup, vu que j'ai pris la balle bandage, je dois l'avoir. Il me semble que je dois avoir une clé pour le jeu. Ça passe. Faut que je regarde un jour les clés que j'ai jamais activées pour les filer, si jamais ça vous intéresse. Hein. Faut que je regarde ce que j'ai en fait. Oh, je suis pas bien là.
Putain, on est en 60. Comment 72, 73 là? Ouais, 73, ça remplit quand même bien l'écran de boulette. Hein. Oh non, post-pattern! Oh, il est oxyde là. Ouais, moi je me suis contenté de pas mourir. Hein. Enfin, d'essayer de pas mourir. Hein. Parce que là, honnêtement, si j'avais dépeuplé d'ennemis, j'aurais jamais réussi à m'en sortir. Oh non! Barrez-vous! Mais. Oh, comme c'est chaud là! Oh, j'espère que je vais pas avoir un boss trop relou là. Ouais, d'accord. Hein. Mais non, mais meurs! Elle était mort, dégoûté. Une démo gratuite, je pense pas beaucoup pirate. Oh. Tu penses vraiment que les gens ils veulent jouer qu'à la démo? Tenibill a sorti un petit article. Ah ouais? Il faut aller voir ça demain. Que le piratage, free to play et abonnement, ouais bah. Je comprends ton point de vue, Alain, ce qu'ils disent. Bah non, c'est complètement con, t'es rien, tu peux pas faire ça. Tu peux absolument pas faire ça, c'est impossible. Et surtout qu'en plus tu vendrais pas 1000 fois plus en 3 fois moins, hein. C'est 1000 fois plus ça n'existe pas, voilà déjà. Non, et puis voilà, et puis t'as un. Après t'as une qualité en fait, enfin, à partir du moment où tu fais un produit qui est bon, y'a aucune raison de le brader en fait quoi. D'ailleurs c'est se tirer une balle dans le pied que de brader un truc sous prétexte que bah si tu le brades, y'aura plus de gens qui vont l'acheter quoi. Et tu penses vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui piratent pour l'acheter après, quoi? Si tu le pirates, après tu le gardes et puis c'est mort, quoi. Y a pas. Et effectivement, la plupart des gens vont te dire, ouais, mais je pirate, si jamais j'aime bien, je vais en acheter, quoi. Ou alors ils vont te dire, ouais, mais j'ai testé, mais j'en ai acheté d'autres. Bah ouais, mais ça marche pas comme ça, quoi. C'est tout ce que t'as pas acheté, du coup, t'as fait crever les développeurs. Alors certes, t'as filé du pognon à d'autres, mais bon, ça résout pas le problème qu'il y en a plein qui ont crevé à cause de ça, quoi. Et puis honnêtement, maintenant, pour pas savoir ce que vaut en jeu, entre le streaming, entre les tests, entre les let's play, les machins comme ça, hein, honnêtement, le jeu, si t'as envie de voir le jeu du début à la fin, tu peux maintenant. Donc, autant, t'aurais dit ça il y a peut-être 10 ans, un truc comme ça, ouais, mais je sais pas si le jeu est bien, pourquoi pas. Maintenant, honnêtement, tu prends un quart d'heure, tu sais absolument tout du jeu, quoi. Tu sais le nombre de missions qu'il y a, le nombre de personnages, combien d'heures il y a durée de vie, tu peux voir des gens qui y jouent pour voir si ça te paraît dynamique ou pas, enfin. Là, ça rend de la mauvaise foi de dire que vu qu'il n'y a pas de démo, tu peux pas te faire une idée, quoi. Bon, la 73, elle passe pas, apparemment. Enfin, je suis mort sur le boss, mais. Y'a un euro, comment ça? Ah, ça fait longtemps derrière un euro. Enfin, quoi que non, je suis content d'être passé quand je fais du PO. Bon, bah, j'ai rien dit. Fais comme si j'ai rien dit. Sur le Gamesfield, sans démo, tu peux pas faire grand chose. Non, mais. Ouais, t'as rien, ça déconne, t'es de mauvaise foi là. Ah, effectivement, si t'as pas la manette en moins, c'est pas pareil, hein, si t'as pas la manette en main, mais. Honnêtement, tu peux déjà voir si ça va te plaire ou pas, quoi. Ah merde!
Oh non. Ah, ça fait juste trop mal, quoi. Milliers de morts sur PO, mais ça va. Tu joues hardcore ou pas? Hier, j'avais ça avec un mec qui me disait regarder un film, et je lui dis, ouais, pas sûr de vouloir y mettre 15 €. Il me dit, mais pourquoi 15 €? Le mec comprenait pas. Bah oui, non, mais c'est ça. Ouais. Mais en fait, c'est ça le problème, hein, c'est qu'actuellement, tout le monde télécharge, tout le monde voilà. Mais c'est comme ça, quoi. Mais en fait, faut juste que les gens arrivent à se rendre compte que c'est pas normal, en fait, quoi. Que ça leur viendrait pas à l'esprit, par exemple, de voler une bagnole, quoi. Enfin, il y a plein de trucs, les gens, ils se diraient pas, bah si, je vais voler ça, quoi. Et là, le fait que ce soit sur Internet, et bah, ils se disent, ouais, mais c'est pas grave, tout le monde s'en fout, ça coûte rien. Bah non. Si j'étais malin à regarder les streams d'Hunter the Gungeon, j'aurais pas acheté. Et bah, fallait venir. Hardcore, du coup, c'est pas évident. Ah oui, du coup, tu vas pas beaucoup avancer si t'arrêtes pas de mourir, alors. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est vraiment démocratisé, quoi. Il n'y a même plus des personnes qui s'y connaissent un peu en informatique ou autre, quoi. C'est vraiment tout le monde, quoi. Enfin, je connais des milliards de personnes qui regardent des films en streaming alors qu'ils savent même à peine servir un ordi, quoi. Mais voilà, quoi. Tiens. Il aime pas Enter the Gungeon s'il le trouve trop mou. Il aime pas le rythme du jeu en fait. Oh merde! Et il aime pas que ce soit basé sur les objets à ce point-là. Ah bah non! Putain! Mais c'est ma gueule le jeu là! En gros, Krabil, il adore Nuclear Throne. Et voilà, il espérait avoir un peu un Nuclear Throne, alors que finalement ça se rapproche plus dans Isaac que dans Nuclear Throne. Disons que le normal est plus compliqué qu'avant, je joue 8 au lieu de mon habituel dueliste, du coup c'est pas évident. On s'est dit, vu les conneries proposées des fois, je me sens pas coupable de pirater, juste ensuite ça m'a plu. Ouais, mais voilà, mais le truc c'est que pirater les gros trucs c'est pas une solution non plus, parce que pourquoi finalement maintenant tous les gros éditeurs et autres ils prennent plus de risques? Ben justement à cause de ça. S'il y a moins de piratage, ils auraient plus de blé, ils pourraient prendre des risques. Mais avec le piratage, du coup, ils ont moins de blé et ils prennent plus de risques. Et en fait, ça le truc, c'est que, enfin, en piratant, c'est à cause de ça que tu tapes que les trucs triple A et que des films à la con, voilà, grand public, parce que ce qui marche le mieux. Et le fait que, même si c'est des grosses structures, le fait de pirater, ils ont moins de thunes. Et du coup, vu qu'ils ont moins de thunes, bah, ils prennent pas de risques. Donc en fait, c'est ça le problème, quoi. Donc toujours plus de blé depuis toujours. Bah ils ont peut-être plus de blé, mais il y a des jeux de moins en moins intéressants, quoi. Et c'est à cause de ça, hein. Enfin ça en fait partie, c'est pas que à cause de ça, mais ça en fait partie clairement. En fait, faut vraiment se rendre compte que quand tu pirates ton truc, c'est vraiment mauvais, quoi. Enfin. Après je m'en fous, hein. Chacun fait comme il veut, c'est pas le problème, mais faut juste que les gens ils se rendent bien compte que ça a beau être des gros éditeurs. Hein. Bah, le fait qu'ils aient moins de thunes, ça les incite pas du tout à filer de la thune à d'autres gens, quoi.
à deux petits studios ou autre, quoi. Mais le coût de production, oui et non. Si c'était moins piraté, s'ils vendaient plus, ils n'hésiteraient pas à tenter des trucs. Mais à partir du moment où t'as moins de trésorerie, t'as moins de thunes pour tenter, bah tu tentes pas, quoi. Tu fais que les trucs qui sont déjà rentables et puis c'est marrant, quoi. Après, effectivement, je pense que Noro, il fait partie des rares personnes qui achètent vraiment les jeux si ça lui a plu, quoi. Je me rappelais même plus qu'il pouvait y avoir une stat secondaire plus 1 au focus max. Et du coup, c'est une combien que j'ai passé? Une 60. Je sais plus. 72 peut-être. Alors, on va tenter une 74 et je pense que je m'arrêterai là-dessus. Si, à mon avis, il doit y avoir la mise à jour de Rocket League qui est sortie. Donc. Est-ce qu'il y a un pay X sur ton jeu pour sa qualité ou c'est parce que tu estimes devoir vendre pour être rentable? Non, je suis pas d'accord, non. Les actionnaires, certes, mais y a pas que ça. Bah, je pense que Kalin, il veut pas vendre moins cher parce qu'il a pas envie de brader son taf, en fait, tout simplement, quoi. À partir du moment où tu fais du bon boulot, t'as pas envie de les brader, quoi. Y a aucune raison de les brader. Pourquoi t'aimes pas trop Enter the Gungeon? Merde. En gros, il aime pas Enter the Gungeon parce que. Enfin, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'il aime pas le feeling en fait. Il le trouve trop mou, trop dépendant de l'équipement. En fait, il adore Nuclear Throne et voilà. Et là, c'est vrai que pour le coup, Enter the Gungeon, ça ressemble plus à du Isaac, quoi. Et globalement, il le trouve mauvais le jeu. Voilà. Très résumé, ça donne ça. Mais merde. Oh merde. Oh ben non, mais pourquoi vous m'avez fait ça? J'espère que je vais pouvoir me soigner, ouais, c'est bon. Ah, j'aurais pas dû le tuer, lui, c'est. Ah, pardon. Ouais, qu'est-ce que ça va être comme boss? Et je pense que je m'arrêterai là, hein, du coup. Attends, ouais. Mais! Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'avais pas fait gaffe que le boss il avait l'aura qui attracte vers lui. Qui attire vers lui, donc je suis arrivé, il m'a attiré vers lui, je suis rentré dedans. Voilà, bravo. GG. GG.
Baba, Poudre de tasse, mon jeu, il faudrait que j'en vende 30 000 copies, c'est un bon succès de jeu indépendant, on est très rare. Ouais. Tu n'as pas fini mon essai de patch, je vais réduire mes rations. Qu'une merde de jeu pour Kazu quand ça s'inquiète, c'est son dehors. Bah, autant une merde de jeu en termes de production, Assassin's Creed, ça coûte vraiment vraiment de la thune, hein, mais vraiment beaucoup. Canon de boss, mais c'est ça quoi. Ah oui, non, mais c'est marrant, les trucs, c'est que la plupart des personnes aiment les jeux là. Hein. Les jeux là, c'est bien. Après, moi, je m'en fous complètement, les gens, ils aiment ce qu'ils veulent, hein, ça me dérange pas. Ouais, je m'en retente une dernière. Il n'y a aucun souci, hein, les AAA, s'il y a des gens qui aiment bien, s'il y a des gens qui aiment bien Call of Duty, bah très bien, hein, qu'ils y jouent, hein, je m'en fous. Hein. Si les gens aiment bien Assassin's Creed, qu'ils y jouent aussi, hein, peu importe. Hein. Tant que moi j'ai encore des jeux, des éditeurs qui font des jeux que j'aime bien, hein. Ça me pose pas de problème. Bah, tant que j'ai de temps en temps des hack and slash, des shoot 'em up qui sortent, des roguelikes, etc. Hein. Ça me va bien. Ah, mais. Putain, les auras d'invulnérabilité, c'est juste insupportable, quoi. Non, toi tu meurs aussi, hein. C'est au moins. Plus qu'un à gérer, ça ira mieux. Oh putain, je pensais que ça passait. Oh non! Il s'est barré. Écoutez. Mais non, arrête, mais arrêtez de me tirer dessus! Mais non, mais je... Bon, ouais, ça a de quoi comme boss? Ah bah c'est encore un avec Mais non! Oh là là! Merde! Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe! Ah, par contre, j'espère qu'il n'y en a pas un deuxième parce que. Et voilà, il dit! Bon bah du coup j'aurais passé une 75, ça c'est cool. Hein. Bah mine de rien, comme quoi avec le staff il y a moyen de monter hein, quand même, en prenant le temps de farmer tranquillement. Ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Hop. Bon sachant que j'ai pas mal de thunes en réserve, en même temps j'ai encore des points à mettre, hein, j'ai encore quasiment 100 points à mettre d'attributs donc alors attendez qu'est-ce qui se passe, ça discute ta 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 alors après c'est n'importe quel secteur, on ne parle pas de ça, 40% c'est légendaire, je vais
Je vais dans un triple A, moi je crache pas sur mon triple A, tu as quoi? Le piratage me dérangerait s'il n'y avait pas d'éditeur, mais en même temps il faut l'éditeur pour vendre les trucs quoi. Moi t'as rien, j'ai arrêté d'acheter les jeux qui m'intéressent pas par contre. Même si même c'est 1 euro, je le fais plus du tout depuis longtemps quoi. En fait c'est rien d'avoir les jeux pour pas les jouer donc. Donc c'est vrai que maintenant je prends vraiment que les jeux qui m'intéressent quoi. C'est pas le gars qui progresse 3, tata, ou d'autres. Non, c'est les mecs qui mettent des sous sur la table, bah ouais. Bah c'est financé, ouais. Tu me montreras Nora comment tu cherches ton banquier pour qu'il te sorte 20 millions d'euros pour financer en triple A. T'as Star Citizen? Ah bah Star Citizen, je pense qu'on peut dire que ça te fait une croix dessus, hein, mais. On a déjà parlé ça, Nero. Hein. Star Citizen, j'ai jamais mis de blé dedans, et j'en mettrai jamais, mais honnêtement, je pense que les gens pleureront quand même. Mais bon. Oui, c'est qu'après ça fait les autres jeux à côté, ouais, c'est vrai. Bon, et ben voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce deuxième épisode. On recommencera sur bah avec un nouveau vaisseau, je pense. On recommencera à zéro et puis on remontera à nouveau. Je pense que j'en prends un intercepteur, si je le préfère, il est plus rapide. Après, c'est vrai que pas forcément lundi. Bah tu me rediras ça, au pire je décalerai au pire je décalerai la truc quoi. C'est vrai que là c'est pas mal de séances qu'on fait déjà sur le maraudeur Elite, donc on commence à arriver au moment où faut farmer beaucoup pour continuer à monter. Bah pas de soucis Alain, tu me diras ça, j'inverserai, y a pas de problème quoi. Et du coup, mais par contre c'est vrai que là le fait d'avoir 3 plaques d'armure c'est quand même vraiment bien quoi. Mais il va moins vite qu'un Interceptor, donc je pense genre pas se tirer sur l'Interceptor, je verrai. Mais en tout cas ouais le maraudeur Elite il est largement viable, hein, y a pas de soucis. Hein. Franchement ça fait le taf quoi. Voilà. Et bah écoutez, bah des bisous tout le monde. Et puis je vous dis bah demain pour du Marvel Heroes, sacheront que je serai là que vers 10 h demain soir. Donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous à 22 h demain soir. Et puis voilà, d'ici à bonne soirée. Et moi je vais aller marquer des buts sur Rocket League hein, si la mise à jour est faite. Bah en fait, ce que je vais faire, hein, ce que je vais faire en fait, je vais déjà aller voir si la mise à jour est là ou pas. Et j'ai l'impression que non. Parce que si elle est pas là, du coup, j'ai fait un peu de Marvel Heroes en fait. Je vais voir. Alors attendez. Le truc, c'est peut-être que je ferme Steam.